Batha, Douai, Djakatal, centre de Wadi Kone de tous les voyageurs, tout le long de l'hivernage, ils impriment leur marque et rendent inaccessible la ville de Gousbeïda chef-lieu de la province de Sila. Gousbeïda devient ainsi victime d'un enclavement étouffant puisque la vie économique en prend sérieusement un coup. Des efforts sont en train d'être fournis pour apporter des solutions, rassure-t-on du côté de la délégation des infrastructures de Sila. Des travaux d'aménagement rendant accessible Gousbeïda ont été entrepris, souligne le représentant du délégué aux infrastructures de Sila. Je vous assure que c'est la saison de pluie qui a bloqué certains projets. Sinon, le gouvernement a prévu un pont sur le Bitéla, un pont sur le Bata, un pont sur Wadi Doué, un dallo à Djakata et un pont à Kazé. C'est des projets qui ont été déjà concoctés et prêts. Mais les entreprises ne peuvent pas intervenir en saison de pluie, vu l'enclavement d'abord de Gousbeïda. Battu sur un terrain sablonneux, Gousbeïda est coupé aussi de l'intérieur. La commune, bien qu'elle limitée, prévoit des travaux qui démarreront bientôt. Au niveau de la commune, nous avons élaboré un plan pour pouvoir y apporter des solutions, mais seulement nos moyens sont limités. Pour l'instant, nous utilisons nos camions pour le transport des blocs de pierre afin de réparer certaines pistes essentielles. Le maire des Emadjouins affirme également appeler la population à apporter son soutien à l'effet de rendre l'image de la ville plus reluisante.